Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Pnorfang pour un nouvel épisode de Fallout 4. Précédemment, nous avons fait faire un boogie boogie à la reine des fangeux. Bref. Et aujourd'hui, nous allons... Red Rocket, c'est ça. Je voulais me faire le Red Rocket et sa région. Ça me passionnait énormément. Alors, j'ai baissé considérablement... la qualité de la vidéo, parce que je ne peux pas baisser celle du jeu. Alors, ça fait un écran ça fait un truc dégueulasse quoi. À la limite ça peut se tester hein, vraiment si c'est de la merde. Alors forcément vous aurez toujours des saccades 1 parce que le jeu lui-même déjà saccade hein. c'est Bethesda hein. Ne l'oublions pas. Mais j'aimerais savoir si c'est mieux. Si vous trouvez ça moins bien, ça me paraît mieux. Enfin, plus regardable, on va dire. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. L'idéal, ce serait que je change de machine, évidemment. Hein, on en parle. À un moment donné, faudrait le faire. Par contre, soirée dégueulasse sous la tempête. Bon, les mecs. Peut-être moyen de se trouver, voilà. Un truc sympa. Alors, petit village, est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose d'intérêt? Genre un petit coffre-fort? Un truc planqué, quoi. Col Miracle 9, pourquoi pas. D'accord. Un coffre mural. Ça, c'est si on arrive déjà à trouver un mur. Oh. Et ben voilà, ça a l'air de rien, mais une machine à écrire. Ça, c'est du stuff. Pas du mauvais matos, hein, pardon. Se réveille et du décor. Ils ont vraiment fait ça, les gars, sérieusement. Un coffre décoratif. Enfin, un réveil décoratif, quoi. Une gouinette. La petite gouine. Il a pris la petite gouinette. Oh là là, ça y est, les jeux de mots dans tous les sens, c'est parti. Hashtag balance ton discriminant. Ou ce que tu veux. Je sais pas. Ah oui, je suis passé par l'entrée du village en fait, proprement. J'ai même pas fait gaffe en fait. Je suis baladé, voilà. Comme un gland, et c'est bon, on est tombé du premier coup. Très bien. Ouais, des godets à la con. Formidable. On a quoi ici? Ok, on a rien. Ouais. On est à la recherche de la petite perle, hein, s'il y en a une, hein, bien sûr. Hop, la machine à laver, le sèche-linge plutôt, excusez-moi, une différence pour moi. Ouvrez le feu. C'est un crocodile, c'est un crocodile. Écorcheur mythique légendaire aux noix de pétoncle, hein, visiblement. Non, monsieur. Arrêtez ça, monsieur. C'est pas très très beaucoup gentil ce que vous faites. C'est de la patate de forain, ça, mon gars. C'était un forain local. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, je l'ai touché avec mon fusil, quoi. Incroyable. C'était vraiment possible. Oh. Alors celui-là était énervé, hein. Il était pas bugué comme les autres. Waouh, Nocturne. Inflige des dégâts de plus en plus importants au fil de la nuit et moins de dégâts en journée. C'est rigolo comme arme, ceci dit. Hein. Mais c'est un peu leur problème, c'est que les armes elles sont souvent un peu rigolotes, mais en vrai elles sont nulles. Le crocodile. Signal de la radio du coward perdu. Ah, mais on s'en fout en fait. Ça, le projet initial en fait. Gaspilleur de la meute. Le test. Le test. On peut le lire depuis comme ça là. Non. Bon, on va le lire. On va le trouver. Inquiétez pas. C'est quoi ça? Non mais. Ah, arrêtez.
Arrêtez de vous battre. Merci. Ça va être le temps. C'est le test. On cherche le test. C'est tellement long de faire défiler l'inventaire avec le temps. C'est fou. Hein. C'est fou. Je déteste Mason, mais tout le monde l'adore. C'est un vrai chef de meute, qui disent tous. Moi je dis que c'est un vrai connard, c'est tout. Il me dit que je dois apprendre à rester à ma place, alors que je cherche juste à aider. Comment je pourrais faire mes preuves un jour, si je passe mes journées à m'occuper des caches des esclaves? Si c'est comme ça, je vais sortir avec ma propre meute. On va se faire un écorcheur. On va voir ce qu'il va dire quand je lui ramènerai la tête de la bestiole. C'est qui le chef de meute maintenant, hein? Sale enfoiré. J'ai hâte de voir ça. Hâte de voir quoi? Rien. Putain, t'es là depuis combien de temps? Allez, casse-toi. Ok. Bon bah, vous êtes donc officiellement trop nul pour tuer un écorcheur à 5, 10, 20, ou je sais pas combien vous étiez là, mais à beaucoup trop. Un seul écorcheur qui avait en plus, pour le coup, visiblement rien demandé. Hein, mais... pauvre gars, puis après je suis arrivé, il avait rien demandé. Le mec s'était installé dans la plus jolie maison du quartier qui avait été abandonnée, on est tous venus lui casser les couilles. Le pauvre écorcheur, quelque part. Un peu triste pour lui. Qui vivait tranquille au bilou. Ceci dit, l'excellente nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est que. Il y avait deux écorcheurs dans cette région. Possiblement un mâle et une femelle. Et maintenant, nous sommes tranquilles, nous savons que l'espèce entière a été détruite ou ne risque pas de se reproduire. Ça, c'est une excellente nouvelle. Sauf si. Je voudrais tâter du parcours là, mais là, je le sens pas en fait. Je sens que c'est une idée de con. C'est une idée de con. Il va y avoir trois conneries là-haut, mais vraiment trois conneries de principe, encore une fois. Donc je pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin. C'est vrai, il y a une grotte par là. Ah oui, mais c'est un déparc. 800% c'est un déparc. Oui, c'est ça, c'est un déparc. Alors c'est bien beau ce que je fais, mais ouais, c'est ça. On n'est pas du tout du côté de... et ça fait chier, il pleut. Et ça fait chier. J'aimerais bien qu'il arrête de pleuvoir là. Que je puisse savoir un peu ce que je fais, où je vais et pourquoi je le fais. Ça serait appréciable. Le truc c'est que j'ai pas d'endroit où poser mon royal fessier pour patienter. On va courir tout droit comme un demeuré au nord, hein, c'est bien ça. Hein. Ah. Oh. Ah mais il y a vraiment des choses à voir. Hein. Ça rigole pas. Hein. Vas-y, on va se faire un coin de lagon. On va le prendre depuis le début à peu près. Ok. Alors, bon, je ne vois rien quoi. Merde, je voulais pas. Chier. Ah mais non. Ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est de trouver les trucs paumés là dans ton désert. S'il y en a. Et c'est chiant, il pleut hein. C'est relou parce que je vois vraiment rien en fait. Là, je vois vraiment rien. Si je vois la même chose que vous mais dire s'il y a tout bêtement, s'il y a un coffre-fort enfoncé dans la terre sur un bas-côté, je le vois pas. Hein. Et tout peut ressembler à n'importe quoi en fait. Genre, t'es là, les trois cailloux là, c'est un étrange jeu. C'est un petit étrange jeu, mais c'est un étrange jeu. Que dalle.
Bah tiens, on parle du loup. Ça c'est plus gros. Oh, luminescent tout de suite. Moi qui pensais avoir une chance. Léo. Je vais pas laisser une demi-chance. Et tous les autres c'est des vrais œufs. Oh cool. Cool cool, ça va payer. C'est cool. Donc doit y avoir probablement donc un village intéressant. Un village intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un cadavre. Oh petit bâtard. Je peux pas avoir le dessous, je vais avoir tes pattes. Et une pâte de homard pour le dîner. Une. Oh, c'est mori. Je vous jure, j'aimerais bien au moins qu'il fasse jour, même s'il pleut. Genre juste vite fait, on se dit qu'il fait jour. Est-ce qu'il y a moyen d'arnaquer ça? Pas arnaquer, c'est même plus une arnaque là. À ce niveau-là, c'est du mérite. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un temps un peu moins dégueulasse? Puisse y voir quelque chose. Parce que. Ah, en tout cas, on voit quelque chose. Voilà, grâce aux éclairs, on arrive à percevoir des choses. Formidable. Hein. Ce pilleur n'a rien sur lui. Trop intéressant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et lui aussi. Excuse-moi, gros. Hein. C'était pas dans mon intention de te baffer hein, gratuitement. Bien baffé des gens pour des mauvaises raisons quand même. D'accord. Moi je peux bien, hein. Mais encore. D'accord. On est sur, on part sur un terre-terre fangeux. Non, pas plus que ça. Ici ok, là, tout. Le Bramibuf. Ok, d'une sorte de Bramibuf. Oh mon sang, c'est pas fini. C'était bien, hein. Beaucoup d'œufs ce coup-ci. Beaucoup d'œufs. Eh, la musique du jeu est assez barre en vacances. Je peux être prêt sur tout ce qu'on trouve sur eux. Non. Non. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accéder à ta demande. C'est rigolo que la musique du jeu soit barrée comme ça. Très étrange. Donc ouais, il y a une vraie petite ville ici en fait, hein. Je sais pas en vrai si je devrais y aller maintenant. Là. Ça c'est. C'est rigolo. C'est rigolo. Ok. Ah, il y a un petit lit pour se reposer. On peut pas. Bon. Y a pas de petit lit pour se reposer. Je me suis mis à ramer. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des méchants mobs de l'autre côté. Les vieux PC cellules, c'est pratique pour détecter la présence de PNJ. Réservoir Nord. Chasseur fangeux alcoolique. Intéressant.
62%, c'est magnifique. C'était beau. Il y en a un autre derrière? Ramène ta carapace par là. Oh là 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 là. Ah, il quand même fallait pas déconner. Hein. Oh là 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 là. Oh, une reine de fangeux. Allez. Allez. Allez, Marseille, c'est ça. Hein. Ouais, tu dors. Et personne ne m'a jamais vu. Hein. Ils savent pas trop ce qui leur est arrivé. Ils savent juste que ça leur est arrivé. Mauvaise idée. Tu aurais fait ça toute la journée. Ouais, bon, la nuit aussi, invisiblement. Parce qu'on est de nuit. Oh là là, humour incroyable. Ouais, vous êtes bien sûr comme d'habitude gaming. Tel niveau d'humour, c'est du comme d'hab. Peut-être qu'on va tirer une bonne chose de tout ça. Ah bah moi je vois déjà tout ce qu'on est en train d'en tirer. Hein. Perso, ça me va déjà. Moi, tu sais, je suis pour l'exploitation des réserves. Ouais. Ah oui. Bah viens. Merci pour l'XP la bestiole. Je ne sais même plus, avais-je rechargé mon flingue? Réponse oui, on peut ranger. On peut ranger son pistolet. Voilà, c'est pas gentil de braquer les gens comme ça avec son pistolet. C'est pas très sympa. Donc le réservoir nord. D'accord. Avec mes merdes fangeux. D'accord. Eh ben dis donc. Cette succession d'épisodes spécial fangeux. Paf! Magnifique. Alors. Oh! Je peux vous emprunter votre carnet de tickets, madame? Ah, je crois que sur la vidéo d'avant, j'ai oublié de préciser que j'avais trouvé le rouleau de tickets. Mais bon, ça, ça vous en doutez un peu quand même. Il faudrait que j'aille le faire quand même. Ok. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon, on a tout ça. Ensuite, ah ouais, les emmerdeurs suivants, c'est parti. Allez, sort de là. Petit bâtard. Petit bâtard. Où ils sont? Vous les voyez? Là. Bah ouais, à tes pieds, mec. ils sont en train de te bouffer une basket. Enfin, une bottine. Enfin, tu te démerdes, quoi, une botte, quoi. Là, ils sont en train de te bouffer, quoi. Ah, vous les voyez? Ouais, un peu, hein, quand même. Un petit peu, quoi, au moins. Au moins, essaye de faire semblant que tu les vois, quoi. T'auras l'air un petit peu moins ridicule. Du fange en miettes de pain, très intéressant, formidable. Voilà. Fleur de pommade, tranquillou. Bah, je crois qu'on a tout pris, sauf que il y a encore toutes ces maisonnettes. Il y a rien sur son quai. Ah, si. Une petite vodka avec la tasse à café. Bien sûr, petit mug de café picole le matin. Ah, c'est bon. Venez. Venez. Viens des bandes de mollusques. Ok, très bien. Moult fangeux. Hein. Moult fangeux. Je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait toujours aucun gros qui soit sorti de terre là. Il est où le gros? Il sort.
cramer. Je les ai perdus. Non, ils sont à tes pieds. Je crois qu'il est devenu aveugle. Oh, il bourre incroyable. Bon. Ok. D'accord. Admettons. Sorti pour l'occasion, visiblement. Ok. Cafetière. Rien de fou, rien de probant. C'est du plein pied. L'autre, le bâtiment, c'est de la déco. Il est fermé. Pied de béton qui dépasse. Ok, si je vais plutôt de ce côté là, est-ce qu'on a un truc dans la pampa qui pourrait nous intéresser? Ça a l'air d'être la fin du monde. C'est ça, ce sera la fin du monde par ici et par là également. Il n'y a rien par là, ça c'en est sûr et certain puisque c'est la fin. Ou alors on a peut-être un mec, mais un mec ou deux, mais on ne peut pas aller par là. Est-ce qu'on peut prendre la route quand même? Est-ce que le jeu n'a pas été infâme au point qu'on puisse pas prendre la route? Moi je vois une jolie route, j'ai envie de la prendre quoi. Il y a tant de murs invisibles, il est juste là. Ah ça a l'air. C'est fermé. C'est réouvert. Grand public. Pas aller par là. T'as vu jouer ça où là? Moi je vois une route, je prends la route. Il me fait quoi? En plus c'est mappé. Alors ça par contre les mecs c'est dégueulasse. Parce que c'est mappé et donc vous auriez pu mettre votre zone, votre mur de zone un petit peu plus loin quoi. Genre tu vois là ça voudrait dire presque qu'on peut sauter de l'autre côté mais pas. Genre là le mur invisible à ce niveau là il est propre. Tu me le mets voilà en bordure, on peut pas descendre derrière et fin de l'histoire. Par contre, voilà, des fragments de murs invisibles, voilà, sur le pont, non, ça devrait pas, en fait. Oh, putain, ils m'ont fait des murs invisibles, mais tellement comme des schlags. Mais tellement comme des gros... tellement comme des bâtards. Laisse-moi passer. Foiré. Vous y allez peut-être un peu fort, là, non? Bon, ça va. Je trouve que le jeu pousse un peu. Avec son mur invisible. C'est dommage, parce que... Oh, putain, regardez, j'ai déjà un mur invisible, là. Mais regarde, c'est la route, quoi. Eh mec, où est-ce qu'il est ton... Regarde, où est-ce qu'il est ton mur invisible, connard. Incroyable, quoi. Les mecs, ils ont tellement rogné. Ça, par contre, c'est pas cool. Surtout que, paradoxalement, dans ce jeu, on nous fait littéralement quitter la carte. On nous la fait volontairement dépasser pour aller dans la zone luminescente. Donc, du coup, faut pas s'étonner que les joueurs essayent de tirer sur la... Voilà. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. C'est pourquoi? Ton mur invisible, il aurait dû être voilà, il aurait dû être derrière ces montagnes. Ah, et là je peux pas avancer. C'est débilos. C'est débilos. J'ai littéralement le mur juste derrière la ville quoi. Voilà. Donc bon, au moins on sait qu'il y a rien par là hein, puisqu'ils ont mis leur mur invisible hein, donc bah, on va entrer en ville hein. On va entrer en ville, on va jeter un œil. Pouet. Vous avez noté qu'on s'est toujours pas fait le Red Rocket. C'était prévu comme ça et en fait non. Waouh, j'ai des violentes saccades quand même. Hein. Du coup, je suis désolé, vous allez les avoir aussi. Je ne sais pas où commencer là. Oh. C'est intéressant.
fil de la vie, on est à Brad Burton. Wow, 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 wow. Tu m'as fait sursauter, Martonné, ça se fait pas. C'était marrant. On peut dire ça. L'autre, c'était sa valise, quoi. Sur mes dernières balles. Ah, visiblement je peux plus recharger. Je suis donc sur mes dernières balles. Oh là là, mais ils sortent de derrière n'importe où là. J'adore le coup de tir des balles dessus. Vous avez adoré aussi, j'espère. J'adore. Solide les alliés non, local, hein, locaux. Ça, parce qu'il va y en avoir partout du coup. Merde, c'est un gros. Je lui fais rien dans la jambe. Allez, tête. Regardez qui est là. C'est bon, tu l'as calmé. Ok, donc il y a moult choses. Hein. Et là, je vois qu'il y a une porte ici, donc il y a quelque chose. Motel, c'est... Est-ce qu'on va trouver quelqu'un de sympa derrière ce motel? Grande question. Mais pour l'instant, j'étais dans cette ruelle. Je fais le tour de la place. Hein. J'essaie de m'organiser un peu proprement, on va dire. Lol. C'est le bordel. J'aime ma façon de m'organiser extrêmement bordélique. Ok. Donc là, on peut revenir sur centre-ville ou aller voir là-haut. On va finir par le centre-ville. On va remonter un peu. La radioactivité. Fond de courge, je prends. Alors je vous rappelle que je suis quelqu'un qui est très fan de la radioactivité puisque ça me guérit. Ouais, ça me guérit. Oh, regardez. Regardez ce qu'on peut trouver quand on est une goule. Regardez comment le jeu est en train de m'arnaquer parce que je pouvais le récupérer et je peux plus le récupérer. Merci le jeu. Tu es un jeu de merde. Tu as été fait par des connards. Tu as été codé avec le cul. C'était magnifique. Bravo. Mais bon, faut que je me remette un peu de rad ou pas? Un petit peu. Non, on est pas mal. Le taf devrait se faire tout seul. Ouais, bon, on va regarder un peu de lumière parce que ça a l'air d'être un peu fou par là. Eh bien, petite ville sympa, petit garage sympatoche. Oh, le mec avant-guerre, du haut de sa petite villa, il devait être pas mal, hein. Petite villa qui est juste une vulgaire déco, c'est une grosse boîte posée là. Je te dirais bien non merci le jeu, mais enfin merci non merci, mais je pense que de toute façon tu t'en fous. Voilà. Cette maison ne sert à rien. Elle est là uniquement décoratif. Là-bas il y a une plante ou deux. On ne peut pas aller par là. Oui, mais je vais quand même récupérer la plantouille, mon gars. T'as pas qu'à mettre des plantouilles hors zone, con. Des tombes. D'accord. Dites donc. Alors, excusez-moi déjà de vous avoir éclaté les oreilles. Si ce n'est qu'à moi, je laisserai toutes ces merdes. Mais c'est vous le boss.
Ouais, c'est moi le patron. C'est parce que je ramasse toutes ces merdes que c'est moi le patron. Ok, on n'avait rien d'autre. Ok, donc des pilleurs de tombes, tout ce qu'il y a de plus classique. On a 3 personnes enterrées dans le coin, c'est cool. C'est fun, c'est éclate. Les gens savent s'amuser ici. Voilà, franchement, avant-guerre, il devait être pas mal parce que, en fait, ça, globalement, c'est un lit de rivière. Enfin, un lit de rivière, oui, c'est un lit de rivière. Qui se gonfle principalement normalement pendant l'hiver, quoi. Enfin, pendant plutôt au printemps, excusez-moi, lors de la fonte des neiges. Et bah, ça doit être cool parce que, genre, le mec tout coule derrière lui et en même temps, il est pas en zone inondable, quoi. Du coup, il était relativement peinard. Cendrier intact. Et une cachette de caps, hein. Voilà. Oh, voilà, on trouve vraiment des trucs cachés partout, c'est intéressant. Bah, par contre, c'est rigolo, on a trouvé vraiment tous les types d'établis, genre dans le coin. Genre, lol, c'est normal. De la merde. De la merde. De vulgaires fausses morilles. Je ratisse l'argent. La ville elle va encore jusque là, d'accord, ok. Save auto. Là, il y a un truc à récup. Les fleurs fiévreuses. C'est fait. Ok. Très bien. Très bien. Arrêtons peut-être de faire des tours dans tous les sens. Ouais. Si tu veux essayer de souvenir là, canette, pas accéder au-dessus, et y a rien au-dessus, pas de coffre mural. Okay. Ici dans ce recoin, on trouve toujours quelque chose, même dans les coins les plus sombres du donjon. Ah, j'ai retrouvé des balles. C'est nouvelle. Appréciable. J'ai même pas fait gaffe. Chiotte, ok. Bon, c'est infesté de ghouls, quoi. Il a vraiment l'air d'y avoir que dalle. Ouais, tout ça, c'était des faux bâtiments. Oui. Oui. Comme si ça allait être accessible. Honte à moi, ne serait-ce même que d'oser poser cette question. Ah, ils auraient pu les ouvrir, quoi. C'est ce que j'avais apprécié dans la première ville, là où on croise tout le monde, là, tout le bazar, le premier corcheur, les miliciens et tout. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de bâtiments en vrai qui sont éventrés, qui sont ouverts en fait. Même si les étages tombent un peu, etc., ils sont ouverts. Donc on y a. Ah oui, ça c'est déjà mort. C'est mort deux fois, évidemment. Une goule qui traîne. Bonjour. J'ai presque envie de me la taper à la main. Ah bon, il l'a tué. C'était très bien. J'ai plus beaucoup de balles, j'économise. Et j'ai vraiment plus beaucoup de balles d'ailleurs. Parce que ouais, c'est vraiment que ça. Allez. Il y en a pas d'autres à la maison. Oh non, mais t'es loin là. Vas-y, rush. Allez, 80% ça devient acceptable. Validé. On va tirer une bonne chose de tout ça. Ouais, mais j'ai quand même tiré mes 3 balles accidentelles. Fait chier. Parce qu'il a pas voulu me réagir sur la deuxième. Merde. Gaspille des munitions, gaspille des munitions. Non, mais je l'ai fait ça. J'avais pas accueilli la fleur. Bah, je suis un abruti. Hop là. Alors. Ouais, parce que bon, y a des goules carbonisées d'accord partout, mais. Il y a des ghouls, certes,
partout, mais on apprécie. Faut pas aussi louper un cadavre, quoi, genre comme monsieur là. Et là, monsieur là, hop. Bouillon intégral. Ah merde. Voilà, par exemple, j'ai pris son message. Parce que je suis en train d'écouter la goule qui doit traîner derrière là, mais en contrebas. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Du coup, on va devoir s'emmerder à trouver le message que c'était. Où c'était et pourquoi c'était. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, toi aussi. Vas-y, je te finis à la main. À l'ancienne, frère. C'est long, hein, par contre, là. Mais je te finis, hein. Voilà. Vous pouvez pas dormir en subissant des dégâts. Ah oui, ouais, je prends encore des dégâts de radar. Ok. Là, mec, t'as dû gérer quelques balles. Ça va mieux. Petit assaut de zombies, comme ça, tranquillement, posément. Ah, il en reste. Oh. Ah, mais ils viennent du motel! C'est trop kawaii! Regardez, cours, Forest! Cours! Cours, bro! Ouais, pardon. 95% à côté. Il y aura une vieille balle bien moche. Hein. Bien à côté, alors que bien dans le torse, pas d'emmerde quoi. Ah, pas d'embrouille. Bon, il y en a d'autres là, butés comme ça, ou on peut continuer notre balade tranquillement là. Ah, ça a l'air d'être bon pour l'instant. Tout du moins pour l'instant. Non, c'est pas bon, il y en a encore un qui traîne ici. Oui, bonjour. Mais c'est quoi, c'est vous popez à l'infini, c'est ça se passe comment? Non, on n'est pas au courant, on aimerait bien. Non, on va bien connaître les règles du jeu. Il y avait une autre boule. Ah mais je crois que je l'ai annulé. Ah non, je l'ai pas annulé. Toute la journée. Bon. Oh mais encore là. J'ai piqué les XP à main nue. Bon, c'est bon. Putain, sacré paquet de ghouls en tout cas. Je suis impressionné pour le coup. Yam, il y a des bonnes choses à manger. On va même pouvoir manger ça avec une brosse à dents. Cool. On aura même la chance d'avoir des couverts ce coup-ci. Ok, figurine de sentinelle, tout le monde s'en fout. On en est arrivé à un stade où tout le monde s'en fout. On a les figurines en 15 exemplaires chacun, c'est bon. Ah, une petite valise à crocheter. C'est le coffre de la journée. Ouais. Ok. C'est pas une petite serrure qui va arrêter le grand Manitou. Non, c'est clair. C'est clair, mon bon vieux Jack. Ouais, donc là en fait on a. Oh. Ah. Transparent. Intéressant. Ok. Transparent. Alors, j'aimerais juste vous trouver. Du coup. Ah oui, oui, je vais le trouver. Ne vous inquiétez pas. On va le trouver. Là où le band en question. Ouais, tout ça c'est les mots de passe. Ouais, de la médaille, les mémoires de machin. Note, programme de Faraday. Donc bon, ça c'est sûrement pas ça. Et un réacteur stellaire, dis donc. Ça va être pour remettre le réacteur principal en marche, bah, j'attends que ça. Hein. Ticket pour le Nuke Arcade. Ok.
Bah ouais, mais le truc c'est que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais. Mais dites pas que j'ai ramassé un mot de passe, hein. Vraiment, je me déteste. Mot de passe de Jacob, mais non, c'est pas ça. Un mot de passe de Kazé si tu veux. Un petit jeton, machin. Holoband de Astine, bataille. Holoband de Rachel, là. Il y a rien. Quoi ça? Je crois que c'est la fin. Je ne peux pas aller plus loin. Je sens que ça m'emporte. Non, faut que je garde la tête claire un peu plus longtemps. Oswald, je suis désolé. Okay. J'ai cherché partout où j'ai vu. Mais il n'y a pas de remède. Toutes les villes et tous les avant-postes. Je sais pas, mais je l'ai ramassé, hein. Les ghouls, devenant sauvages à un moment ou à un autre. Et il n'y a rien à y faire. Peut-être que c'est à cause des brumisateurs. Peut-être que si vous n'étiez pas américain, ça ne serait pas arrivé. Aussi longtemps que j'ai pu. Voilà. Je sais. Bon, alors donc ce motel charmant et éclairé. Je peux pas supporter l'idée. Voilà, ça me fait pisser de rire. Bon, excusez-moi, on sera obligé de se taper l'autre en entière du coup. Qui m'approche. À moins qu'on puisse faire pause. D'en finir avant. Alors, attends. Je ne sais pas pourquoi. Visiblement, il y a encore un autochtone. De la même manière. Mais si tu as encore toute ta tête. Je veux que tu tournes la page. Oh, il est bien en bas. Nyoka World. Tu peux avoir une vraie vie dehors. Ce n'est pas aussi terrible que ce qu'on pensait. Je t'aime. Ok. Rose. Je prends le petit coffre déjà. Joli. Alors moi, il faut m'expliquer. S'il n'y a que des ghouls dans le coin, comment ça se fait qu'ils remettent encore de l'huile dans les lampes? On cause, on discute, on en parle. Ici, sur la radio comme d'habitude gaming. Non mais là je suis en train de trouver ma porte. T'as vu comment je t'ai laissé en galère avec lui? Je suis trop en super pote. Ah je crois que t'as pris l'XP salaud. Putain il a pris l'XP. Oh le salaud. Quoi encore? Sérieux, là, ça devient lourd les mecs. Hein. Oh non, t'es lourd, cherche pas. T'es lourd, je te dis. Dégage. Wow. Oh le mec, la vicissitude de cet homme est incroyable. Oui, j'ai bien dit vicissitude. Une porte. Et boum. Gaspiller une balle pour ça, je sais, c'est nul. Alors. Merde. Ah oh, putain. Ok. Alors, on est dans une planque de camé, clairement. Ok. Alors de camé pute on sait pas trop. Mais avec un chien. C'était un joli toutou. Évidemment on ne peut pas monter là-haut. Hop. Ah bah de toute façon plafond invisible. Hein. Donc ça a rien d'essayer. Plafond invisible. Alors on arrive sur la devanture. Oh, tous ces bruits de. On dirait des bruits de nageoires japonaises. Incroyable. Un de. Faut les cramer. Tentacules. Alors que c'était juste un mec qui était censé courir sur du wab. Du wab. Il va le finir. Non, c'est le bon mien. Donne le pex. Voilà, merci, c'est le pex. Eh, 132 balles, ceux-là, je te les laisse pas. Hein. Ça me fait chier de te les laisser, comprends. T'as pas besoin du pex toi en plus. Vos levels sont glissés sur les miens.
Ben, j'ai trop couru. J'aurais peut-être pu l'avoir, je n'ai pas trop couru. En tout cas, sympathique réserve à Mori, hein, s'il en est. C'est charmant, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est joli Brad Burton, hein. C'est joli. Il y a un petit côté un peu fatigué. Oh là. Faudrait pas tirer là-dedans, mauvaise idée. Mais disons qu'il y a, une idée, hein. Il y a un petit charme, quoi. Vraiment un petit charme. Un peu du gros village, tu vois. C'est un peu un village. Mais c'est un gros village. C'est-à-dire qu'il y a tout dans ce village. C'est un village dans lequel il y a tout. On va continuer à zigzaguer entre les bâtiments pour le. Hop. Pour strictement faire le tour, pour faire le tour et ne rien rater. Il n'y a rien ici. Rien par là. Il y a quelqu'un derrière moi. Il suffit que je change mon flingue. Hein. Change mon flingue, je fais apparaître des gouttes. Je pense que j'ai trouvé comment ça pop une. Bref. Tu te barres pas comme ça. Oh l'autre. Oh l'autre. Oh l'autre. Regardez, il nous fait de Michael Jackson. Vous avez vu ça, c'était beau. Des ghouls Michael Jackson. Petit hommage à Thriller. Bien sûr. Les bonjours à des mannequins, ouais, ils sont quand même plus sympas que les locaux qui sont vivants. Bah, qui sont vivants. Ben voilà, ça reste un débat, mais on les appellera vivants pour l'instant. Jusqu'à que je leur repasse dessus. Une fiévreuse, là ? Non, c'était pas une fiévreuse. Ok. Soit, très bien, ouvrons cette porte. Police. Mec, y'a quelqu'un dans la rue encore. Je sais qu'il faut rien gâcher, chef, mais là. Je suis pas sûr. Mais c'est des nukas. Ah oui, d'accord, il y avait une bouteille vide, mais enfin globalement, c'est des nukas. Voilà. C'est un magasin rose. Ou à première vue, on vend des trucs, des produits Nuka dans tous les sens. Ça vaut forcément le coup. Je peux pas dire le contraire, mec. C'est, forcément, ça. C'est trop bien. C'est collector. C'est bon. C'est collector. Waouh. Tire un mage qui se rapporte au plumage. Génial. Et voilà, c'est formidable. Il y a quelque chose dans cette caisse, non, il n'y avait rien. Et alors, boutique de souvenirs de Little Nuka. Little Nuka. Du petit Nuk Nuk. C'est quoi, c'est votre passe là? Ah, walk, reste, ok. Ah. Joli. Voilà, n'avez aucune lettre en commun. Nouveaux produits. Je viens de finir d'exposer deux nouveaux produits avec leur pancarte. Mettez ces nouveaux produits en avant autant que possible. Une carte cadeau d'une valeur de 5$ sera offerte à celui qui en vendra le plus. Cendrier Capi, le petit à 20$, le grand à 30$. Cigarette Bonbon Capi, paquet 5$. Remarque, Nuka Cola Corporation n'a pas répondu à ma requête... pour vérifier si les rumeurs de présence de nicotine dans les cigarettes bonbons étaient fondées ou non. Évitez d'abord le sujet lorsque vous en parlez au client. Ah, la belle mentalité. Rappel des réductions. La boutique de souvenirs propose les ventes, remises et affaires suivantes. Les employés doivent les connaître parfaitement. Parking hors du site. Joey Johnson nous a gracieusement permis d'utiliser quelques hectares de son terrain comme parking en dehors du site. Le parking coûte 15$, pardon, de l'heure. Douloureux ça. Avec les remarques suivantes. Excusez-moi, lire ça me fait toujours bailler. Parking sur herbe uniquement, nous ne sommes pas responsables des véhicules et ou objets volés, perdus ou endommagés. Remorquage 24h sur 24.
disponible en cas de voiture embourbée, à seulement 10 minutes de marche de l'arrêt de bus, un bus toutes les 15 minutes. Joey a également suggéré de prévoir un produit contre les insectes. Putain, c'est tellement cher. Ticket à prix réduit. Nous avons des tickets d'entrée à prix réduit pour le parc à destination des clients payants, achetés pour $50 de marchandises, et nous aurons l'autorisation de vendre des tickets avec 10% de réduction. Nous ne prenons pas de bouteilles de Nuka-Cola usagées. Si les clients préfèrent recevoir les $15 de réduction promis, ils doivent acheter leur place à l'entrée de Nuka World. Les familles de plus de 5 personnes bénéficient d'une remise de 12% pour plus de $100 d'achat. La remise pour les citoyens seniors est de 5%. La remise pour les vétérans et les militaires d'active. Les militaires d'active est de 10%. Les enfants de moins de 2 ans n'ont pas besoin de tickets. Voilà. Incroyable. Vente globale. Les objets suivants sont disponibles à la vente toute l'année. Un t-shirt offert pour 5 achetés. 50% de réduction pour une visière. Sur une visière pour une achetée, ouais, d'accord. Les clients bénéficient de 5% de réduction sur l'achat de piles pour l'achat de tout produit qui en a besoin. Bref. Ok. What else? Mémo, lisez-moi. Vite. Nous avons récemment déploré un incident lorsqu'un employé a échangé des objets de marque Nuka-Cola contre des contrefaçons bon marché. Ceci est absolument interdit. Nous opérons avec l'aval de Nuka-Cola Corporation et aucun produit contrefait de mauvaise qualité n'est toléré. Il sera détruit. Ce que j'aime bien, c'est que dans cette phrase, c'est que si tu veux faire aucun produit contrefait de mauvaise qualité n'est toléré, alors ça veut dire que si c'est un produit contrefait mais de bonne qualité, ça passe. Genre, c'est pas fabriqué en Chine, c'est fabriqué en France. C'est bon, c'est valide. Comment savoir si un objet est contrefait? Les noms peuvent être mal orthographiés ou différé. Capi, Nuke World, ok. Un logo Nuka-Cola officiel est absent du produit. Certaines exceptions peuvent avoir lieu. Alors consultez la direction en cas de doute. Le Land. Voilà. Bon, bah, c'était très chiant en fait, hein, comme lecture. Hein. Le droit de bâiller comme un damné. Il y avait ceci dit cette caisse par terre. Voilà, ce coffre-fort a été fait. J'ai déjà tout piqué, c'est formidable. Hop. Moi j'ai fait le plein de fausses morilles, ça fait plaisir. Moi je suis content, rien que pour ce que je trouve par terre, tu sais. Il trouve que des accidents, des fausses morilles, des trucs qu'il ne trouve plus dans l'autre monde normal. Ah oui, des petites vaches aimantées. Ok. Plus rien à voir. Je te dirais bien que on pourrait essayer de regarder au-dessus, mais je pense qu'il n'y a que dalle à voir. Voilà. C'est vérifié. C'est vérifié, ce n'est plus à faire. Bon, ensuite. Ensuite. Par là, on va sur le Red Rocket. Ouais, il y a ces petites maisonnettes vite fait, on va aller checker, on va faire un petit tour. Il n'y a rien là. Hop. C'est vide ça aussi. Okay, ça aussi c'est vide. Ah, là c'est ouvert. Entrons. Merci. Ok, un livre brûlé. Vue d'officier. Dans un truc qui crame. Un truc que je viens de rallumer en enlevant l'épée d'officier. Hein. J'ai mis le feu. Hein. Ça avait l'air ultra satanique. D'un coup. Ok. Un autre à voir. Alors ici, c'est fermé. On continue. On refait le tour par derrière. Hop. Ça, je le prends. Pas de problème. Oh, bah, ça aussi. Y a pas de raison. Ah, faut que j'aille voir cette maison là aussi là-bas. Hop. Juste passer par là. Prendre les haricots et vaser. Voilà. Très bien. Hop. On va checker cette maison vite fait. La boîte aux lettres. Elle est morte. Un peu de brume à l'intérieur. Toujours plus sympa. Alors, il fait un temps magnifique dehors, mais il y a une petite brume à l'intérieur. Parce que c'est le style.
Bien, j'ai trouvé un lit. Ah, un petit coffre-fort quand même. Mais tu sais, c'est bizarre, dans aucune des maisonnettes, on a trouvé un petit coffre-fort quand même. Ça y est. On aime ça, nous, le pognon à la rédaction. Ah, paf. Allez, donne-moi ça. Hop. Très bien. On peut donc redescendre. Pousse-toi. Jean-Michel Blaireau. On finit le petit tour et j'avais bien vu des champignons luminescents dehors, des fausses morilles, parfait. Parfait, parfait. On n'a pas trouvé beaucoup de champignons luminescents d'ailleurs, je trouve, dans cette zone finalement. C'est vrai qu'elle a été quand même normalement pas trop mal protégée des radiations, mais du fait qu'ils ont quand même très largement contaminé... au moins un des parcs est très largement contaminé en produits radioactifs. Je trouve ça étonnant de ne pas trouver plus de champignons que ça. Nettoyons un braxo du clodo. Ouais, j'ai tout récupéré. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Pourquoi j'arrive plus à courir? Qui là? Je suis trop lourd ou quoi? Ah oui, je suis trop lourd. Champ surcharge. Ok, formidable. On revient devant l'église, l'église qui est verrouillée, qui est donc un vaste décor, je crois. Hein. Je vais pas faire un tour catégorique de la situation. Hop, on va récupérer aussi. Tant qu'il fait jour, on voit les accidents, on les récupère. Voilà. Sinon, après, c'est chiant. Ah, il y a un petit... Il y a un espèce de parvis arrière, en fait. Hein. Petit balcon. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui? Voilà, qu'est-ce que t'as? Oh, c'est le pasteur. Allez, j'ai eu l'XP. Ah, je t'ai enfumé ton XP, gros. Je suis très content. Qu'il y a quelque chose d'utile. Ah oui, ouais, c'est vrai que du coup, je suis un peu lourd. Et je suppose que l'autre naze n'a toujours pas renouvelé, voilà. Hé, hey, quoi de neuf, chef? Parlez. Réveillez-vous, Gage. Hé, hey, boss, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez des choses à revendre? Désolé, chef, j'ai laissé tout mon bordel. Tu sers à rien. C'est incroyable, hein. T'as eu une fois ta boutique, là, portable, portative sur toi, là, et après, c'était fini. Hein. On en a profité une fois, quoi. Bon, on l'a séché, certes, mais... Ça n'a pas duré longtemps. Bon, il y a une accident là-bas, je la récupère. Hein. Je... Hein. Désolé, mais c'est trop rare, les gars. C'est... J'ai de faire le tour pour aller la chercher. Ça a trop de valeur, en vrai. C'est ça. Ça a trop de valeur. Ça a trop de valeur. Je suis désolé. Hein. C'est vraiment... C'est pas que je vous déteste. Hein. Bon, bien que je vous déteste, mais c'est pas le... J'ai oublié de récupérer ça comme un couillon. Et bon, quand ça a trop de valeur, ça a trop de valeur. Hein. Voilà, vous voyez, il y en a une autre là. C'est terrible, hein. Il y en a plein partout. Et vu qu'on est passé de nuit, qui flottait, machin, machin, on voyait que dalle. Rappelez-vous, c'était dans le même épisode. Voilà. Donc là, c'est récupéré. Ça, c'est un vulgaire buisson quelconque. Donc ne m'intéresse pas. Et on va donc se finir le centre-ville de Brad Burton. Je crois qu'il y avait un autre truc que l'hôtel. Non? Marrons-nous. Rigolo ce machin. Attends. Attends-moi. Le verre de sang là. Ils sont vraiment sérieux sur leur façon de sauter là. Très étrange comme truc, hein. Je vais me faire une tête. Et luminescente, elle est rouge comme les autres. N'importe quoi. C'est très étrange comme bestiole. Et c'est non seulement c'est étrange, mais en plus ça c'est moche. C'est aussi moche qu'un pillard. Et croyez-moi qu'un pillard c'est moche. Bah non, centre-ville on l'a fait. Ouais, c'est fait. Ouais, goule sauvage. Ouais, il nous reste une goulinette ou deux. Hein? Allô? Allô, le jeu?
Est-ce que tu m'entends? Un petit crash du jeu! Figurez-vous que ça faisait quand même un certain temps que ça nous était pas arrivé. Ah oui, Le jeu n'a pas abandonné. Alors, on va se faire... Attendez, une petite sauvegarde rapide. Oh, il a eu du mal à charger. Là, c'est purement le jeu, hein. Là, c'est pas OBS, je suis désolé. Normalement, moi, je l'ai baissé ce qu'il fallait sur OBS pour que ça tourne normalement. Et je me dis, c'est le moment où je l'ai fait, où d'ailleurs, il n'y a plus rien qui tourne normalement. Si vraiment les ghouls elles pop pas genre à l'infini quoi. Assez étrange. Non bah non, on a tout fait ici hein. Mais je ressemble à ça un jour, même un tout petit peu, je compte sur vous pour me descendre. Ouais, je te crois bien. Par contre, il y a un autre truc à voir. Genre là. Il y a un truc à découvrir par là. Attends, on va faire la petite pause vite fait. Ça me laisse le temps de prendre une gorgée de café bien froid. Bon, après, je vais être bon pour redémarrer mon jeu parce que visiblement, il a pas apprécié tous les tests vidéo. Hein. D'accord. Donc, là, petit chemin. Petit drapeau américain. Des caps, du matos, c'est rigolo vu comment est posé le matos, on pourrait croire que c'est une colonie. Vu comment c'est disposé, attends, c'est qu'une tierce, résidence Morton. C'est une colonie. Ou c'était une colonie, peu importe. Il y a des gens qui vivent, quoi. Des gens normaux. Faut rentrer par le souterrain. D'accord. Moi je veux bien rentrer par le souterrain. Maintenant, la question c'est où est ce souterrain? Et oui, c'est une maison. C'est ma maison. Vous savez pas encore, mais c'est ma maison. Merde, merde. Ah, je voulais cette fleur, je l'ai pas eu. On y retourne. Ah ouais, je veux cette fleur, je l'aurai. Hors de question que ça se passe autrement. J'ai vu une fleur, je vais la chercher. Paf. Pareil, c'est très rare, c'est très précieux. On n'a pas beaucoup mis à notre disposition. Donc je suis assez étonné là par ce drapeau américain. Bon. Il va être... bon, on va juste voir vite fait si je vois une entrée, mais je pense pas, hein. Je pense que... L'entrée... Ah si, tu penses... Oh, l'entrée ce serait ici. Oh, est-ce qu'on peut se mettre des petits doigts de pied au... radioactif, ça? Je suis sûr que si. Alors... Voilà, bonjour. Hey, si vous voulez vous débarrasser d'un truc ou deux... Je vous en voudrais pas. Ouais. Je vais adorer ça. Merci vieux. Et bien aimable. Non, il aurait fallu que je sorte mon flingue pour le taper dessus, ça aurait été chiant. Ok, le Nuka Cola Quantum. Tout le bazar, c'est bien. Ok, parfait.
Petit verrou à faire sauter. Faisons sauter un verrou. Génial. Ah, alors ça. Ça, le spécial grand vide. C'est génial. C'est vraiment le truc dont on a toujours rêvé. Ok, le coffre power expert. Allez, vas-y, dis-moi aussi qu'il est vide, s'il te plaît. Vraiment, moi, ça me vend du rêve. J'aime le vide. Déjà, tout petit, j'aimais le grand vide et le néant. Ça y est. Voilà. Non, c'est plein. C'est bien, ça fait plaisir. Allez, toi. Non, vous êtes vraiment sérieux, quoi. Mais des mousquets laser tirent un projectile supplémentaire. Très bien. Joli. Il nous faudra les tuer une autre fois. Joli. Donc ça, c'est une arme aussi qui est assez puissante, du coup. Hein. Tout ce qui est deux coups, de toute façon, est balèze. Et instantanément balèze. Ok, et ben voilà. Et moi qui pensais qu'il fallait faire un truc et un machin et une quête bidule jusqu'à qu'on nous dise hey, bon. Pourquoi tu reprendrais pas cette vieille maison sur la colline là-bas? Et on t'aurait fait, ah bon, il y a une vieille maison là-bas sur la colline? Mais c'est trop bien. C'est pas une colonie. C'est genre juste une planque à armure assistée. À armure assistée nulle, hein, de surcroît. Ouais, bah écoute, vas-y, je la prends. Hein. J'ai pas de pile à mettre dedans. Ça. C'est ça? Ça va vraiment faire bip bip. Allez, bon épisode. Ouais. On pourrait dire, moi je l'ai vécu. Moi je sais ce que c'est. J'étais là. Et le Red Rocket était là-bas. Nous le voyons. Il y a quelqu'un là? Tout ça pour un châssis d'armure assistée à 1500 capsules et une pauvre jambière de MK je sais pas quoi. Oh. Heureusement que je suis vraiment très amoureux du pognon et du loot en tout genre. Et rassurez-vous, il va se passer des choses jusqu'au Red Rocket. Et ouais, des choses incroyables. Comme par exemple, là, tout de suite maintenant, paf, une fleur de carotte. Eh, c'est pas dans toutes les VOD, hein, vous verrez ça. C'était exceptionnel. C'était en exclusivité juste pour vous. Comment on se traîne? En plus, je suis en surpoids, c'est horrible. Ah oui, mais de toute façon, ça ne changerait rien. Parce que je vois mes AP ne descendent plus. Je suis en vitesse lente dans tous les cas. Ok. C'est le moment de descendre. On a vu, super mutant. En même temps, j'ai pas envie de les descendre tout de suite parce qu'ils ont l'air d'être en train de descendre des cons là. T'es bien en train de tabasser. Oh, des disciples bougeux. Oula, je suis pas concerné hein. Faire attention à ce qu'ils font quand même. Hein. Chercher une plantouille. J'attends de voir qui va gagner. Pour le coup, ça m'intéresse énormément. Je sais, je m'assois un peu sur l'XP, mais bon. J'aimerais savoir qui du minigun à gros vert, etc. et des Tarlouz disciples vont gagner. À première vue, ça va être les. En fait, ce qui m'étonne, c'est que c'est les bouchers, littéralement, les disciples. Qui vont gagner. Ce qui m'étonne beaucoup. Et si on allait visiter cette petite maisonnette là.
Ils ont l'air d'être encore deux, les super mutants là dans l'histoire. Moi je crois en eux, hein. Je pense qu'ils peuvent gagner, les super mutants. J'espère qu'ils vont gagner, hein. Vraiment, c'est... Parce que bon, les autres, un, c'est des pillards. Voilà. Parce qu'au moins, il faut dire ce qui est, c'est que les gros verts, c'est leur nature, la guerre. Ils sont la guerre. Voilà. Eux, ils comprennent très bien le principe de la guerre ne meurt jamais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter l'armure ici. Bah, le combat a l'air d'être terminé, et c'est les bouchers qui ont gagné. Ah. Non mais c'est fou ça. J'ai presque envie de les tuer. Voilà, c'est incroyable. Incroyable du cul. Alors... Bonjour le chat. Bonjour visiblement. Les chats. Ah, merde. Je voulais une gamelle de chat. La gamelle de chat a été retirée. D'accord. Bah moi je peux bien mais... Je veux bien qu'on m'ait détecté en train de voler un truc, machin, youpi, yata, c'est pas bien de voler, je vais te le reprendre. Mais il est où le proprio? Genre le propriétaire va tenter de vous le reprendre, d'accord. Joli. Où est le propriétaire? Cachette de capsule. C'est pris. Ouais. Donc on a deux chats. On est censé avoir un propriétaire là-dedans. Très étrange. Hein, tous ces gens qui prennent de la drogue. Vous voyez, hein, la drogue, c'est mal. Hein. On le voit là tout de suite. C'est incroyablement pas bien. Hop. Petite fleur de carotte. Hop, je te pique ton stuff, le géant vert, puisque t'es mort comme un naze. Putain. Je reviens pas. Mais en plus, ils en ont tué aucun genre d'ici, quoi. J'en ai vraiment aucun qui est mort, quoi, de leur côté. C'est ouf. C'est ouf. Personne n'est mort, quoi. Genre, suivez-les sur le hashtag, tout va bien. Ah, légendaire quand même, il y a un légendaire qui a quand même claqué son truc. Il y en a une qui est presque morte ici. Alors, en vrai, ils ont quand même payé un peu. Mais il y en a quand même aucun qui est mort, quoi. Moi, je voulais qu'ils crèvent pour récupérer leur stuff, comme toujours. Un mec comme ça. Parce que là, le problème, c'est que si je leur tire dessus, Gage, il va encore s'énerver. Il va pas être content. Il va faire... Voilà. Ah, puis alors l'autre taré avec son minigun qui a tué personne. La tristesse, hein. Soit c'était vraiment... Regardez-moi ce naze. Ah, mais ils sont encore deux à l'intérieur. 4 super mutants, vous avez pas tué un seul disciple bouché là? Il y en a même qui pètent la forme. C'est ouf. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Putain, il y en a encore un là, bon. Là, vous étiez pas 4, vous étiez 5, quoi. C'est... Non mais c'est une blague. C'est une blague. Il y en a, ils sont même pas blessés, quoi. Oh, ils se sont fait tellement rouler dessus. C'est la honte. La honte. La honte. Vous auriez dû les pourrir. Et le pire, c'est que ça aurait été moi. Vous auriez fait masse dégâts. Comme des gros sales. Je suis obligé de tâter la petite sauvegarde rapide. Je vais voir si quelqu'un va dire quelque chose. C'est bon, c'est passé. 10%
100% de chance de désarmer un attaquant encore à corps en le touchant. D'accord. Ça a été validé. J'aime quand ça se valide comme ça. Et c'est mon armure assistée, ça. C'est normal. Où ça? Ah oui, elle a presque plus de vie non plus. Hein. Ça peut être intéressant de la sortir. Petite cartouche. Et pour ça, il faut que je largue le bolos que j'ai à côté de moi. Alors. Ouais, elle est encore pas trop mal, en forme. Toi, t'as même pas été blessé. Et toi, t'es morte, hein. Toi, t'es... Hop, regarde, une petite balle là. Hop, hop, hop. Et t'es morte, en fait. Voilà. Et voilà. Je sais pas si je les ai tous tués, mais... Commencez à m'ennuyer. Ah merde, en fait j'ai été grillé. J'ai été grillé. Ah désolé. On y était presque. Hein. C'était, ça a failli être très beau. Hein. Après, vu là où elle est, je peux peut-être la tirer de l'étage le plus haut. Ah ouais, parce qu'on fait pas ça pour rien. Hein. On fait pas ça pour des chocs à pique les enfants. Hein. Ah non. On fait ça pour l'XP déjà. Et leur matos. Et ouais. Après, il est vrai que ça commence à me coûter cher en bastos. Ah, c'est tentant. Mais on le fera pas. Les deux dernières, on les laisse vivantes. D'ailleurs, c'est une faction féministe ou quoi? Il y a que des meufs dans leur crew. Très bien, intéressant. J'ai dû, voilà, c'est ça. Laisser planter, voilà, le retour du bip bip. Ça, c'est juste pour vous. Hein. Même le jeu il a un doute, il fait non, on va peut-être pas monter la torche. Putain, le jeu! Je pense que c'est vraiment les tests vidéo que le jeu n'a pas aimé. Il est en train de me cracher dans les doigts là. Vous plaisantez pas, vous, hein? Hein? Mais je voudrais. Voilà, merci. Extérieur, merci. Et voilà, le speedrun de Fallout 4. Ouh! C'est parti, hein. Ah ouais, c'est. Ça pousse tonton. Le Red Rocket de Duke World. Voilà. Très bien. Ok. Ok, ok. Ils sont contents. Ah, c'est con, on va déjà pouvoir aller poser ça au poste de réparation. Sors. Ah, oh, ah, ah, atelier. Atelier décoratif ou quoi là? Il semblerait que ce soit un atelier purement et durement décoratif. Ah non, vous m'avez fait une fausse joie là. Ah là, moi il m'avait dit c'était ma planque, c'est bon, hein, je quittais l'espèce de tour là dégueulasse du grippin là qu'ils ont, hein, avec leur espèce d'appartement en extérieur dans la tour là de verre. J'aime pas du tout. Alors pas du tout, hein. Le Kawar doit être alimenté en courant pour pouvoir utiliser cet atelier. Ah, il faut que je trouve le générateur principal. Donc il y a bien une histoire de générateur principal qui à mon avis ne sera débloquable que lorsque voilà, on aura
on aura tout pouillé, tout poutré, lorsqu'on aura tout fait. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Bon, j'aurai de quoi l'aménager, mais easy life. Easy life. Tellement j'ai de trucs dans tous les sens. Non, c'est par là. Si, c'était par là, non? C'était par là. C'est bon. Je l'avais pressenti. Whip. Voilà, je suis désolé parce que là c'est pas moi, c'est vraiment pas ma capture qui rame, parce qu'en plus j'ai baissé la qualité. C'est vraiment le jeu qui est en train de bourrer sur le pros comme un taré. Je lui bourre sur mon pros là, comme j'ai genre. Ah t'es bien posé là, il est con. Ici il y a clope. Pas d'autres conneries. Bon allez. Ok. Alors, ça c'est fait. Et autour du Red Rocket, en vrai, il y avait rien d'autre. Hein. Il y avait la maisonnette derrière. Alors si on peut vraiment faire le tour extérieur, hein, tirer des balles de 10 mm. Vraiment. Et dans le ice cream, voilà, la clé à molette. On est content. Mais voilà, ça c'est tout. C'est tout. Ça fait rien de ma part. Il y a rien d'autre. Et donc, on va pouvoir mettre fin à cet épisode. À moins que bien entendu. Oh, mais il y a des cultures. Oh, il y a des cultures. C'est trop mignon. Il y a des cultures. Ce qui nous donne à peu près l'idée d'ailleurs de. Probablement de la taille de. De la colonie, enfin. Oui, c'est ça, de la colonie que va nous conférer l'atelier. Plante à fruits mutants. Ah, c'est même pas du fruit mutant sauvage, c'est du vrai. C'est de la vraie bouffe. C'est pas de la bouffe empoisonnée. Ah, ça sent un tir ce truc. Ok. Eh bien voilà. Oh là là. Eh bien voilà. Hein. Eh bien c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Eh bien, incroyable. C'était incroyable. Je vais vous libérer. Mais avant cela, juste pour votre plaisir, à nouveau, un petit bip bip. On finit sur un bip bip. Voilà, c'est le bip bip de votre vie. Voilà, écoutez-moi ça, c'est quand même beau. Voilà, ça c'est beau. Voilà. Je vous remercie, c'était Knorfunk sur Comme d'habitude Gaming pour Fallout 4 et je vous dis à la prochaine. Ciao.